Cameroon Bantu, Africa Bantu, to the world Bantu. Salut, salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur. Bienvenue sur Bantu Media Group Sport. Prince Aimé. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Hein. Et Malox. Franchement, l'initiative vient de Malox. Après que le freestyle de Debodo le Koufa avait commencé à prendre le dehors, il a fait ce freestyle en 2019. Et en 2024, c'est là où ça a buzzé. Et Debodo était déjà en studio, il a fait un son. Et le clash avec Malox a commencé. Pour dire qu'il faut signer un contrat de bon et du fond parce que Malox aurait voulu que Debodo le Koufa fait publier le clip sur la chaîne YouTube de Prince Aimé pour que Prince Aimé profite de tous les droits. Mais bon, j'avais dit à cette époque-là que pour faire un remix, on n'a pas forcément besoin de l'autorisation de l'artiste. Non. Il faut juste déclarer. C'est-à-dire que vous faites le remix et vous déclarez l'œuvre, ça appartient à X, Y et que les droits lui soient reversés. Mais bon, la démarche de Malox a créé ce que ça a créé. Ça a poussé le peuple ivoirien d'obliger Debodo d'abandonner le projet, du moins pour le moment, parce que lui-même, il a dit qu'il va le faire encore. Il va clipper ça parce que le son était déjà dehors. Et les Ivoiriens ont montré leur solidarité à l'endroit de Debodo le Koufa. Aujourd'hui, les amis, vraiment, quand on parle de la musique en Côte d'Ivoire, où les artistes qui sont en vaux, en premier lieu, c'est Debodo le Koufa. C'est grâce à ce clash-là entre Malox et les Ivoiriens, ou les Ivoiriens et les Camerounais. Et Malox avait promis qu'il va contacter Prince Aimé, ils vont travailler ensemble, il va faire le clip, il va publier sur la plateforme de Prince Aimé et pas sur ses plateformes. Et chose promise, chose due. Il y a une forte mobilisation des influenceuses, camerounais, influenceurs, influenceuses, comédiens, humoristes et tout. Vraiment une forte mobilisation pour donner de la force à Prince Aimé et de la force à cette remix faite par Malox, Magasco, Lili Anoma et sous la supervision certainement de Wax de Fonka. La chanson sort, les amis, l'activation de la promotion et ça commence à monter. En 4 heures de temps, les amis, il y avait à peu près 1 600 000 vues. Et à l'heure où je vous parle, je crois que c'est à 4 millions déjà. En 24 heures, c'était déjà à 3 millions de vues. Donc, c'était un record. Ils avaient battu le record de Djeneba Diao en 4 heures de temps. Et certains Ivoiriens véreux et des Camerounais même, criminels à la limite, ont téléchargé cette song et ont posté sur les chaînes YouTube. Et je ne comprends pas comment les gens peuvent être criminels à ce point. Et là, les chaînes ont été signalées. Je pense qu'on a supprimé les chaînes. Mais il faut supprimer les chaînes pareil. On parle de la création de contenu. Au lieu de créer des contenus, les gens vont faire leur truc et tout ça. Là. Et après, vous prenez, boum, vous profitez directement par rapport à ça. Et ces chaînes ivoiriennes, pour la plupart, ont été signalées. Et c'est un blogueur ivoirien qui dit, mais si ça fait 15 millions de vues, je quitte sur Facebook. Là. Ils sont encore sur Facebook. Je n'ai pas cité le nom des gens. Et Gourou, c'est quelqu'un de formidable. Camille Makosso, formidable. Ils ont posté. Camille Makosso a posté ça. Gourou a posté ça. Pour dire, c'est arrêtez vos histoires de guerre inutiles. Comme des Camerounais ont regardé, beaucoup de Camerounais ont regardé Djeneba Diao jusqu'à jouer. Moi, dans mes émissions aujourd'hui, je joue ça. C'est pas interdit. Donc, il faut être fair play. Les histoires de, oui, on peut avoir un clash inutile qui se transforme en autre chose, mais c'est à nous de savoir ce que nous voulons. Et là, les amis, c'est quoi l'information? Ce n'est pas, vous voyez, c'est que des sportifs ont commencé à publier cette chanson. Olivier Mbazo, qui est un lion indomptable, a publié le lien, demandé aux gens d'aller regarder. Bernard Choutan a aussi publié le lien de cette vidéo. Super solidarité. Les producteurs de cinéma, des cinéastes, bref, des acteurs, des actrices, des comédiennes ont publié. Les blogs qui font dans le sport, qui font dans la politique, les politiciens ont publié, les amis. Ils ont publié le son de Vivian. Et là, pour couronner tout, c'est le président
de la Fédération Camerounaise de Football, Samuel Etofis, qui a donc publié cela, en demandant aux gens d'aller regarder. C'est ça qu'on appelle être down to earth. Down to earth. Être avec des gens. Il a certainement fait des erreurs sur beaucoup de choses. Vous savez, je ne vais pas parler de moi. Je suis anglophone, vous comprenez pourquoi. Je ne vais pas parler de moi pour le moment, pour beaucoup de raisons. Mais, il pouvait faire quelque chose. Laissons ça. Continuons. On a vu la falaise. L'éboulement de terre au niveau de la falaise, il a publié. Il faut être proche des gens. Et je vois certains Ivoiriens qui disent que non, Drogba n'a pas publié pour des Bordeaux parce que Drogba a beaucoup de choses à faire. Non, Drogba d'abord avec des Bordeaux, ça ne marche pas. Ou du moins, ce n'était pas l'amitié. Drogba était plus ami avec Didier Arafat. Des Bordeaux est plus proche de Yaya Touré. Il faut, aller voir si Yaya Touré a publié. Il était proche de Yaya Touré. Et il y avait un conflit Drogba, Debodo, à un moment donné, donc Drogba peut-être est resté là-dedans. Mais n'est pas publier la vidéo de quelqu'un, ou publier, je ne veux pas dire qu'on n'a rien à faire. Qui a plus à faire aujourd'hui? Drogba est en retraite, il est chez lui, il dort. Il se lève, il dort pendant que l'autre Eto est président de la fédération et il est en train de. C'est-à-dire que tous les jours, il est au travail, il est en train de. Donc, ce n'est pas ça, c'est être dans tout être, c'est trouver le temps. Pour les siens. Et le temps que tu as trouvé là est précieux, les amis. It's a very precious time. So, congratulations to him again. Et bon vent à Prince Aimé dans cette Vivian Remix faite par Malox, lui-même Prince Aimé, Magasco et Lily Anoma. Thank you, friends, and bye-bye.